en plus. Une victoire de 6 points, Georges, on vient de vivre ensemble avec tous les téléspectateurs l'un des plus gros exploits de l'histoire du sport français. Que du bonheur. Superbe. Irréel. Inimaginable, extraordinaire. Depuis hier soir, Nanterre ne touche plus terre. Avant-dernier budget du championnat de Pro A, 8e de la saison régulière, le club francilien a fait honneur à sa devise, envers et contre tous, s'offrant 1-1 les Cadors, Gravelines, Chalon et enfin Strasbourg. À l'extérieur, le public acclame cette équipe qui les a fait vibrer. Et l'équipe, elle aussi, est consciente de l'importance de ses supporters. Bon, allez, c'est parti, vous êtes prêts? Allez, donc nous vous informons que nous avons dû notifier à monsieur Giannakis la rupture de son contrat pour faute grave. Cette décision a été inévitable malgré nos efforts. Ce rebond offensif, il faut maintenant en faire bon usage, par exemple Céline Dumerc qui s'y a 3 points. Céline Dumerc. Céline Dumerc, oh bah non, pas celui-là quand même. C'est dingue, c'est absolument dingue, c'est incroyable, oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. On est en finale, on est en finale, putain, on est en finale et c'est tout calme. C'est tellement cruel. Et voilà, je suis désolée pour tous ceux qui sont là, qui sont venus nous encourager, qui nous ont soutenus, Désolé pour la fédération qui a organisé 7 € pour nous. C'est dur quoi. Bah, déçu, mais pas autant que Game 6, tu vois, parce que Game 6 on a vraiment laissé une belle opportunité et là Game 7. On s'est bien battu, mais il faut leur donner du crédit. Les Browns, il a été fort ce soir.